3 et Jouet Club vous propose tout l'été les aventures de Tintin. Je dirais même plus, vous régale tout l'été des aventures de Tintin. Tous les dimanches à 17h sur FR3, petits et grands prendront l'air des vacances de Monsieur Lulot en compagnie du fringant Tintin. Oh, j'ai faim! Waouh! Kellogg's! Max! Mmh, au super goût de caramel! Oh oh! Délicieux grain de blé soufflé enrobé de caramel. Hé, le chat, par ici la sortie. Miaou. Smacks de Kellogg's dans un bon petit déjeuner complet. Qu'est-ce qu'on déguste? Les Smacks, j'adore. Évaluez votre intelligence par Minitel. 3617, code X-Test. Et devinez ce que je trouve. Un méchant, ou un gentil, ou un autre méchant. Et puis une Nesquik. Avec Kinder Surprise, chaque jour, un ordinateur et des centaines de pins à gagner. 36 65 00 40. Tiens, tiens, ça manque de chocos. Il n'y a pas plus chocolat que chocos. Avec ce petit déjeuner complet de croustillant pétale chocos. Super, ultra, méga chocolat. C'est Chocos, tout ce chocolat, c'est Chocos. Chocos de Kellogg's, c'est plus que chocolat, c'est Chocos. Ce soir, athlètes et artistes célébreront en un même élan de fraternité la fin de la grande fête du sport. Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été, ce soir en direct à 21h55 sur FR3. Ah bah dis donc, des boulons, tu sens bon aujourd'hui? Tu t'es pris un bain d'huile? Oui, oh, ça baigne, Eric, ça baigne. Ça baigne? Bon, vous, ça va? Oui. Ouais, j'ai l'impression que vous n'avez qu'une petite idée de ce qui vous attend dans les mondes fantastiques, entre les angoisses pharaoniques et les mystères interplanétaires. Vous êtes motivé? Oui. Bon, bah ça va. Vous, de votre côté, je ne sais pas si vous avez eu le bonheur d'être en contact avec les mondes fantastiques. Sachez simplement que le Pulsor est au monde fantastique, ce que le joystick est au jeu vidéo, c'est-à-dire de l'or, des secondes, du temps qui vous sera très utile à la fin de l'émission pour pouvoir faire le plein de cadeaux. À ma droite, j'ai Julia. Bonjour. Bonjour. À ma gauche, j'ai Frédéric. Bonjour. Et à côté de Frédéric, c'est Julien. Salut. Une équipe qui m'a l'air d'avoir la pêche et c'est Julia qui va démarrer tout de suite. On va interroger Déboulon pour savoir dans quel monde Déboulon va te propulser. Chauffez petit module, tournez lumière. Ça tourne, ça tourne. Et Julia va se précipiter vers la planète mystérieuse, c'est ici. C'est parti pour 20 secondes, 20 minutes pardon d'émission. Nous, on va la suivre ici devant l'écran géant. Elle rentre dans le vaisseau spatial. Bonne Venez, chance. On va s'installer confortablement et vous n'hésitez pas à l'encourager. Rock est là pour la recevoir. Donc il y a 20 minutes maintenant pour faire le plein de pulsors. Vas-y, on compte sur toi. Et prends soin. Ben, nous aussi, on compte sur elle. Alors, petit regard. Non, non, non. Non, non, non. Le regarde le crack, elle va t'expliquer par geste. Regardez, il y a une table avec des composants. Les composants, où est-ce qu'ils sont? Regardez bien. Les composants. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Vite, 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 réagissez là. Hein. Voilà, elle a compris. Vas-y. Place les composants dans les trous, essaye, vas-y. Tu peux grimper sur le circuit imprimé. Voilà. Aucun problème pour monter sur le circuit imprimé. Oui, vas-y. Oui, vas-y, continue. Voilà, c'est un peu lourd, mais il faut savoir que c'est un circuit imprimé géant. C'est une grosse puce qu'elle tient là, à moins que ça soit une araignée. Oui, voilà, ici. Oui, vas-y. Et donc, j'espère, Eric Bacos. Pousse, oui, c'est j'espère bon, c'est que ça, les puces n'ont pas cette physionomie, mon cher Déboulon. Bon, écoutez, occupez-vous des vôtres. Mais vas-y.
commencer à me gratter, non? 1 minute 56. Je vous sens un peu éteint, là. Je rêve. Ça y est, c'est bon. Prends l'autre cul. Elle a pris le rythme, hein. Julia, tu feras attention, j'ai l'impression qu'il y a un composant que tu as mis en haut à droite qui n'est pas bien installé. Vérifie bien ça tout de suite. Est-ce qu'il est bien emboîté? Il n'est pas dans le bon sens, sûrement. Ah oui. Tourne-le. Dans l'autre sens. Toi, tu le tournes dans l'autre sens, soit il n'est pas à sa bonne place. 1 minute 30, oui, voilà, c'est bon. On se dépêche maintenant. Vite. L'autre. Regardez, il y a un écran de contrôle qui permet de vérifier justement si les composants sont bien insérés. Mets les autres. Prends l'autre puce et tu la mets en haut à gauche. Parce que vous savez que le silicium, c'est un conducteur, mais il faut que tout soit bien fixé, bien soudé. Une 11, on se dépêche. Vas-y, continue. Julia, voilà, les voyants allumés. Les voyants sont allumés. Allez, encore une petite. Oui, bravo, allez, vas-y. Pièce, une petite résistance, c'est peut-être pas le bon côté. Il faut peut-être l'insérer de l'autre côté. Ça va être juste. Ouais. Dans l'autre sens. Les deux en même temps, essaye. Voilà, vas-y, c'est passé. Continue. Le warning se met en marche. Le warning signifie qu'il te reste maintenant 50 secondes. Vas-y, continue vite, vas-y. Et que tu es sous pression à partir de maintenant pour terminer la cellule. Vite. Le pulseur. Vite, récupère le pulseur. C'est le plus important. Vite. Mais n'aime pas sur ses arts. Voilà, maintenant, dans le pneumatique. Dans le pneumatique. Vite. 20 secondes déjà dans la poche. C'est parfait. Pas dans la poche, mais dans le bec. Qui a marqué deux bonnes lettres plus deux bonnes lettres plus le point rouge, donc il faut qu'elle tape sur le point rouge égale le sésame. Tape sur le point rouge. Vas-y, installez-vous là pour l'encourager, installez-vous confortablement, il y a une barre ici. Vite, bravo, ça passe juste. Hein. elle est très très bien. Elle rentre dans l'ampoule géante qui sert au phare de la galaxie de la planète mystérieuse. Et là, il va falloir prendre ses précautions. Regarde bien, en rentrant dans l'ampoule, ce qu'il y a décrit. Au bout de 3 sonneries, ça sera terminé. Hein. Voilà. Fais voilà. Bien attention. Fais attention. Tu as 3 sonneries. Une et... Va très doucement. Tout doux, vas-y. Tu as largement le temps. 2 minutes 47. Ne te presse pas. Vas-y, doucement. Oh là, les virages sont très périlleux. Et la sonnerie, si jamais elle retentit, elle proviendra de la symphonie d'Edison. Edison, tu as le temps, vas-y, douce chemin. Vas-y. Au moins champion de ping-pong. Doucement. Pour réussir ça. C'est pas mal. 2,25, elle n'en est qu'à un toucher. C'est un elle peut s'offrir de un deuxième toucher. Deuxième toucher. Troisième toucher. Troisième toucher. Tant pis, c'est fini. C'est fini, terminé. Sans vie. Quelques centimètres de l'arrivée, c'est dommage. Le sésame. Tu es confortable là pour le sésame, il te reste 2 bonnes minutes pour essayer de résoudre ce sésame. Qu'est-ce que vous en dites là? C'est bien, ça va. Frédéric, ça va, mais vous n'avez pas eu de pulseur, hein, vous êtes satisfait. Non, c'est dommage. Eh bien oui, donc là maintenant... Ah, les diodes. Alors, il faut bien regarder. Qu'y a-t-il de marqué? Allumer toute essaye la ligne. Essaye la dernière. Non. Il faut allumer toute la ligne. Avant-dernière. Voilà. Ça, ouais. Voilà. Vous avez compris le système? Il y a des boutons qui éteignent les diodes, d'autres qui les allument. Et cela vous donnera l'ouverture du sésame. Essaye de mettre en place. Non, pas le dernier. Voilà. Visiblement, le dernier, il ne faut plus y toucher. Hein. Appuie celui-là et ce... Non. Essaye d'autres boutons, vers la gauche. Une voilà, place. Celui-là. Voilà, et voilà, celui-là. Une 23. Vite. Le temps. Non. Le temps passe, c'est pas simple, voilà, mais... L'autre. C'est quand même un sésame à réseau très important pour pouvoir accéder à la prochaine cellule. Le warning se met en marche. Allez, souffle un bon coup, Julia, et vas-y. Hein. Réfléchis vas-y, bien. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. Vas-y, continue. 35 secondes. Non, refais. Allez, Frédéric, Julien, soutenez-la un petit peu. Je vous sens un peu léger là pour la soutenir. Il faut être plus efficace que ça. Elle a 25 secondes pour s'en sortir. Autrement, elle sera expédiée vers la galère. Non, touche pas au dernier. Allez, oui, 15 secondes. Non, remets. Allez, cherche bien toutes tes combinaisons. Est-ce que tu as bien exécuté toutes tes combinaisons? Refais pareil. Voilà. Le deuxième. Essaye. Une seconde, c'est la galère. Malheureusement terminé, oui. Voilà.
L'arrivée des mondes fantastiques, mes amis. Elle a voulu s'échapper directement dans la cellule, mais ça ne marche pas. Il faut d'abord résoudre le sésame. Et pendant qu'elle va s'échapper vers la galère, Déboulon va vous poser une question, donc prêtez bien attention. Julia, 11 ans, 1m50, 42 kilos, gay et câline, mais se dit parfois grognon et coléreuse. Aime l'extrême. Nous allons suivre maintenant Julia sur l'écran géant. Julia, tu dois rentrer dans la galère. Ça y est, la toile d'araignée. Je pose ma question. On écoute Déboulon pour la question. Oui. Vous mettez votre réveil à sonner à 10h du matin, vous vous couchez à 9h. Combien de temps pouvez-vous dormir? Déboulon va nous répéter la question. Bonne question, je répète. Vous mettez votre réveil à sonner à 10h du matin, vous vous couchez à 9h. Combien de temps pouvez-vous dormir? Il y a peut-être un piège, réfléchissez bien. Il vous reste une petite 30 minutes. Il vous reste peut-être. Couche à 9h ? Oui. Réveil a sonné à 10h, vous vous couchez à 9h. Allez, Julien. Combien de temps dormez-vous ? Attention, non, tu es dans le mauvais sens. Tu n'es pas dans la bonne direction. C'est ce qu'on dit. Tu n'es pas dans la bonne direction, Julien. 59 minutes. 1h. Non, 10h du matin, 10h du soir. Non. Dépêchez-vous, vite, dépêchez-vous. La réponse, vite, on entend la réponse maintenant. Une heure. Une heure. Exactement. C'est la bonne réponse, bien répondu. Vous avez le droit à un pulsant supplémentaire de 10 secondes. Quant à Julia, elle m'a l'air complètement paniquée à l'intérieur de la galère. Voilà, 10 secondes supplémentaires, je m'en occupe. Mais essayez plutôt de diriger Julia. Elle ne voit rien. Vous la suivez grâce à la caméra infrarouge. Des explosions, tout simplement, ce qui se passe dans la galère. Vite, car le chrono tourne pendant ce temps-là. Frédéric, dépêche-toi. Tu es prêt à prendre le relais ? Oui. On ne sait pas où elle est passée. Elle est coincée quelque part dans la galère. Julia, tu nous entends ? Non, oui. Bon, il te faut trouver de la lumière. Est-ce que tu as repéré de la lumière ? Non. Essaie de bouger, vite, dépêche-toi, car le chrono tourne. Non, il te faut pas. Absolument trouver de la lumière. Là, la caméra infrarouge t'a perdu, elle t'a retrouvé. Donc, il te faut repasser derrière le sac. Repasse là, tu es derrière, en train de rebrousser chemin. Voilà. À droite. Voilà, vas-y, voilà. Continue. Passe derrière, derrière le sac. Derrière le sac. Voilà, continue. Vas-y. Le sac fantôme, et maintenant progresse vers l'avant. Vite, dépêche-toi. Rentre sous la barbe de l'ermite. Il n'est pas méchant. Et là, tu dois commencer à avoir de la lumière. Tu devrais la lumière de la salle de contrôle. Voilà. Et Frédéric est maintenant prêt à prendre le relais. Frédéric, commence à t'échauffer un peu les neurones. Oh. Voilà. Par ici, Julien. Et tu tapes tout de suite. On arrive par ici, cher ami, et on demande tout de suite à Déboulon. Dans quel monde, cher Déboulon, vas-tu m'envoyer ? Que la chance te porte jusqu'au bout du parcours ! Et c'est parti vers... le labyrinthe des pharaons ! Ça fonce ! Nous, on s'installe, chers amis, on va suivre ça sur l'écran géant. C'est pas trop dur, Julien ? À un moment, au bout de temps, je m'affolais, là. Tu t'es affolé ? J'avais plus quoi faire. Frédéric, 12 ans, 1m57, 45 kilos, toujours en forme ? Rêve de revivre les aventures de ces héros de BD, aujourd'hui ira-t-il jusqu'au bout des siennes ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors ? Le voilà. Fais attention, il y a de l'eau là. Passe sur la barre, va voilà. doucement. Voilà. Prends la barre et voilà, aide-toi. Tu la mets sur le pont. Voilà, tu fais un pont. Alors surtout, dites-lui bien de ne pas tomber dans l'eau. Et tombe pas, ça a l'air dégueulasse. Je ne pense pas que ce soit le terme bien choisi, c'est plutôt le, comment dirais-je, les milliers d'années, voilà, hein. Il y a sans doute des habitants assez étranges. Oui, toutes nos cellules sont habitées. C'est bien, c'est bon, vas-y. C'est bon ? 3 minutes. Ah. Il te reste à peine 3 minutes. Avant. Je n'inspire pas confiance. Vas-y, continue. Continue, il ne s'agit pas d'inspirer confiance ou pas, il s'agit d'être efficace, de récupérer le pulsor très rapidement. Déboulon est un petit peu jaloux, effectivement, car je le vois mal sur cette planche. Hein. Oui, c'est vrai, c'est mon rêve, ça. Ouais, d'autant qu'il y a des petits bouillonnements qui se font à la surface. Voilà, c'est bon, allez, vite. Tu arrives presque. C'est très bien. Oui, mais il m'a l'air d'avoir un sacré équilibre, le bougre. Ah, il est très bien. C'est parfait. Le pulsor, laisse tomber la planche, tu n'en as pas besoin. Tu t'en... Voilà. Le pulsor. Tu le transmets maintenant. Trouve le pneumatique. L'entrée du pneumatique. Voilà. Et attaquez bien le sésame, il est très important. Ça va être bon pour moi, ça. Voilà. Un petit 20 secondes.
Oui, voilà, comme ça. Je vous signale que le temps tourne et il vous reste pas beaucoup de temps sur le temps de l'émission, à peine une petite dizaine de minutes. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Vite. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Nous sommes tombés sur un artiste. Non. On sort l'artiste. Ouais. Non, ça c'est pas une autre pièce. Non, une autre pièce. Regardez ce qu'il y a à droite. Il me semble qu'il y a un modèle. Là, voilà. Regarde bien le modèle. C'est ça. 1:40, le warning s'est mis en marche. Vite. C'est bon. Allez, allez, l'autre pièce. Tu vas y arriver. Il lui faut voilà, la... et l'autre à gauche. Et l'autre, tu arrives. Maintenant, le passage secret devrait pouvoir s'ouvrir. Attends, uniquement si les pièces sont bien mises, le passage secret ne s'ouvrira qu'à cette condition. 1:22. Voilà, le passage secret se dévoile. Tu peux rentrer maintenant dans la prochaine cellule. Oh là là. Ah, qui est-ce ? Le magicien de Néfertiti. Le magicien de Néfertiti, eh bien, le temps qu'il pose son serpent magique, et il va s'occuper du cas de notre ami Frédéric. Vous avez vu comment ça se passe ? Il y a 5 pyramides. Il va bien entendu dissimuler. Regarde bien le pulsor. Fixe bien le pulsor. Fixe-le bien. Les pyramides, il faudra le trouver. Ne le quitte pas des yeux. Ben vous aussi, ne quittez pas des yeux, car vous allez pouvoir l'aider. 2 minutes 45 pour résoudre cette énigme. La première, oui. Il est très fort, ce magicien. Très, très fort. Eh oui, voilà. Vous avez vu comment il vous a embrouillé ? Donc, ayez l'œil. Frédéric, tu nous entends ? Oui. Tu peux faire part de tes impressions à tes amis. Ils vont peut-être pouvoir t'aider dans cette étape qui me semble très difficile. Oui. Regarde bien déjà ce qu'il fait avec les bras. Allez, vite. C'est celui-là. Oui, c'est bon. Le pulsor contre le passage diplomatique. Et maintenant, attaque la sixième. Il te reste 2 petites minutes. Je sable, c'est bon. Moi, je m'occupe du pulsor. Il ne devrait pas tarder à arriver par le système pneumatique. Vite, pour le sable. Fais-le couler, plutôt. Et encore un pulsor de 20 secondes. Allez. Et dis-moi. C'est bon, là. Il s'agit de s'animer. Essaie de voir si le sarcophage de Néfertiti peut s'ouvrir dans le déjà. On ne sait jamais. Non, c'est pas assez. Tire-le, ça y est. Bon, regarde bien, tu es dans la cellule des sources du Nil. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, le pulsor? Oui, le pulsor est là. Bon. Regarde bien, là, dans la cage. Tu passes passer de l'eau, peut-être. Oui, écoute bien ce que vient de dire Julien, c'est important. Tu passes passer de l'eau dans la... Dans la roue à eau. Dans la roue à eau, pour remplir le... Et là-bas, qu'est-ce qui se passe sur les tuyaux? J'ai l'impression qu'il y a des trous. Est-ce qu'il y a des fuites sur ce ruisseau? Bouche les fuites. Bouche? Écoute, Julien, Frédéric. Bouche les fuites. Oui. Vite. Il y a des fuites. Essaye de boucher les fuites. D'accord. 2 minutes. Avec les pierres. Là, on est vraiment dans les dernières minutes du jeu. Et non, là, tu es en train de... Pas celle-là, pour l'eau. C'est ce qui va alimenter l'eau. Bouche les fuites. Voilà, ici. Voilà. Continue. Allez, continue. Vite. On est pratiquement à la fin de cette phase. Vite, là. Dépêche-toi. Ah oui, là, il faut mettre les bouchées doubles, le temps passe. Oui, surtout que si jamais il est en train de boucher la source du Nil directement, ça va être difficile d'alimenter la roue. Oui. Allez, vite. Je dis les bouchées doubles, ça ne suffit pas. Encore. Le plus possible. Il doit y avoir des fuites quelque part. Ça y est, c'est bon. Continue. Oui, mais ça monte trop doucement. Continue. 1:25. Vite, l'émission est en train de se terminer. Vite, le pulsor. Tu peux l'attraper? Le pulsor, il est là, il est arrivé. Tu le transmets vite maintenant par le système pneumatique et attaque-toi au sésame. Moi, je m'occupe du pulsor. Il arrive et c'est un pulsor de 30 secondes puisqu'il est en train de clignoter. Mets la corde. Aide-toi de la corde pour monter. J'ai l'impression qu'il y a un nœud à l'autre bout de la corde. Allez. Vite. Indiana Jones. Vite. Le warning. Va doucement. Pour la cellule. Et tiens là la corde. Fais-la passer sur le côté. Bon, voilà, elle est bloquée. C'est bon, et maintenant il grimpe. Allez, grimpe. Aide-toi du mur. Mets les pieds sur le mur. Placez-le à plat, les pieds. Une bonne grimpette. Allez, vite. Prends appui sur la corniche. Voilà. Vite. Parfait. Maintenant, attention, ne saute pas. Attention. Tu es au-dessus du précipice de la pyramide. Et il va te falloir faire avec le tour. Lanière, non, regarde bien, il y a des prises sur le mur. Prends les prises. Voilà. Voilà, et tu essayes d'attraper
c'est la... la liane. Pas la liane. Étoilienne. Non, non, non. Regarde. Continue à escalader. Voilà. Comme sur les calanques, il faut faire le tour maintenant en prenant un petit souffle. Oh là oh là, là. Ah, mais c'est un artiste, hein. Il prend même le soin. Avec maestria. Et oui, appuie sur les mains et tout, hein. Dépêche-toi, tu as peut-être encore la chance d'avoir un puteur, on ne sait jamais. Ah oui, ce serait bien, ça. Oui. C'est bon, oui. Continue comme ça, c'est super. C'est super. Ça se passe pas trop mal. Il se sert même. Largement. Tu peux le pulsor, le pulsor, il nous envoie.